Bonjour Jean-Louis. Donc je m'appelle Céline, j'ai récemment rejoint Elaruche et Caroline au travers de l'activité IDEPOP. Nous les aidons à déterminer qui ils sont, leurs aptitudes, leurs talents, leurs envies. Je travaille en lien avec Caroline et j'accompagne au-delà de l'expérience professionnelle que j'ai en grande entreprise, l'envie forte que j'ai, c'est d'apporter et de donner aux jeunes ces postures d'être entrepreneurs de leur vie. Moi, ça fait sens par rapport aux valeurs de la ruche, aux projets que l'on porte, des valeurs sociales au sens très large du terme qui font vraiment écho et dans le projet et dans le lieu. Alors, je viens en vélo, j'aime beaucoup y retrouver un soutien, des échanges. Alors, je travaille quand même un peu chez moi et je peux d'autres questions. Un endroit qui buzz, que le lieu rayonne au-delà des acteurs de plus en plus nombreux qui peuvent y être. Ça incite des personnes qui sont peut-être pas naturellement la cible, mais qui viennent se renseigner. Le Costa Rica, c'est le pays qui a compris la voie à suivre. Une lionne. Je parle beaucoup de la ruche et il y a peu d'endroits finalement à Bordeaux où on trouve un lieu où les personnes se réunissent par rapport à ces valeurs-là. Non, ça je sais pas. Ça me semble une évolution naturelle de nos modes de fonctionnement, de travail. Et en même temps, je suis assez étonnée que peu de gens connaissent encore ces lieux-là, parce que ça allie échange, souplesse, dimension très locale en termes de réduction des temps de transport. Merci beaucoup.